gens, comment est-ce que ça va? Et moi je suis Kyler et on se retrouve en compagnie du même chanceux pour une deuxième vidéo sur Tekken 3 sur PSing. Vous pensez que je devrais l'arrêter avec son accent? Parce que là ça commence vraiment à me casser. Bon. Tu es raciste avec les accents du sud, por favor. Bon, tu sais quoi? On va dire que je n'ai rien entendu. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui nous retrouvons pour Tekken 3. Tu dis ça, carrément. Mais ce sera une petite série à nous deux, c'est Kyler qui joue pour que je puisse bien me moquer de lui contre les adversaires forts. Et on joue au mode arcade en mode normal. C'est parti, Tekken 3. Alors, tu vas prendre Jin, évidemment. Alors, ton premier adversaire dans l'histoire sera Xiao Yu, une chinoise sortie d'on sait où avec des couettes et une tenue rouge. Une tenue bleue, pardon, excusez-moi. Elle me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas trop. Dans un autre jeu de combat qui est aussi un style un peu pareil, qui ressemble beaucoup. Shanli, quelque chose comme ça. Oui, un truc comme ça, genre. À peu près ce nom-là, ouais. Eh, on fera pas des filles. Bon, bah, headshot. On fera pas des filles, c'est honteux, Kyler, tu devrais avoir honte. Hein? J'ai honte, j'ai vachement honte. Voilà. Ouais, non, j'ai gagné, donc j'ai plus honte en fait. You win. Mais c'est qui dit you win? Ah non, elle s'est relevée, elle veut prendre sa montre. Tu reviens de petite fille. Allez, tu sais, faut pas mettre des jupettes, hein. Et les gens qui peuvent être méchants avec toi. Qu'est-ce que t'insinues par là? C'est légal de dire ça au moins. Tu sais, je vais peut-être demander à mes copains de couper, non, je rigole. Ou alors je sais pas. En plus, regarde, j'essaie de lui sauter dessus juste après, hein. Ah mais attends, j'ai remarqué un truc. Ouais. Cette fille a des jambes plus musclées que toi, je crois. C'est pour te dire les coups qu'elle doit envoyer avec ses jambes par rapport à moi. Mais regarde ce que tu lui toi mets. Toi qui plein de ma toupie. Mais qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Bon, alors nous assistons à un combat puisque finalement il n'y a pas de narrateur. Alors nous pouvons voir que cette fille est en train de... Ah bah non. Regarde ce coup de pied qu'il lui a envoyé. Ce coup de pied lui a enlevé. Bravo. Un tiers de sa vie de vie. Un tiers à ce coup de pied tout seul. Bravo, tu l'as enlevé, tu lui as frappé une sur tes trois coups de pied, tu l'as touché une fois. Ah, ouais. Voici Nina. Alors, anecdote, cette petite personne venue des quartiers malfamés et d'une prison je ne sais quelle autre, je ne connais pas les personnages de l'histoire de Tekken, donc si j'ai écorché l'histoire, bah désolé. Mais bon, voilà. C'est moi l'histoire. Bah tu sais, franchement, vu les... Regarde comment, où est-ce qu'on l'affronte, sérieux. On dirait qu'on l'affronte dans une prison ou quelque chose du genre. Parfait. Avec un truc tout doré. Bim bam baillette crevette. J'espère que tu vas pas faire que la toupie pendant toute la carte parce que là franchement non, pas du tout. Ce serait un peu déloyal envers les IA qui essayent de varier leur combo. Ah, j'ai rien dit en fait. Mais tu sais, je pense que j'ai trouvé une IA qui est assez puissante dans les jeux. En fait, il y a plusieurs IA. Si tu veux, je te dis mon top 3 des IA les plus durs à vaincre dans les jeux vidéo. Headshot. Et je te dis laquelle? Que la vie tient va te dérange. Non, pas du tout. Je vais te dire lesquelles. Numéro 3. Les boss secrets de Kingdom Hearts. Le mec va me spammer avec son Kingdom Hearts. Tu sais ce qu'il est fini, tous les Kingdom Hearts qui seront sortis. Exactement, Kingdom Hearts c'est ma série préférée. Donc, ah bah t'as des points communs avec certains youtubeurs du genre Frigiel ou Super Brioche. Eh, si j'ai même plus le droit d'aimer une série de jeux, c'est bon hein. Moi je te critique pas quand tu aimes Tekken ou tu aimes le jeu de cage, genre je suis sûr qu'il y a plein de youtubeurs qui aiment ça. Non pas tellement en fait, en France il n'y en a pas très peu qui... Oui mais il y a des youtubeurs anglais, et des youtubeurs japonais, et des youtubeurs je ne sais quoi. Bon, après... parle en France il y a quasiment personne qui aime le catch. Bon, faut pas dire ça. Comme youtubeur si, parce que je veux dire, sérieusement, il y a plein de gens, je pense qu'ils sauraient pas que le Tekken serait sorti s'ils étaient pas abonnés à Cyprien Gaming. Bon. Cyprien Gaming ne savent pas jouer, je les affronte quand ils veulent. Cyprien Gaming, les deux, contre moi tout seul, je les défonce, quand vous voulez les mecs. Cyprien, Squeezie, je vous parle. Les abonnés, n'écoutez pas ce qu'il dit, je suis désolé, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en, Kyler, et pas à la chaîne, merci. Et au fait, pour les trucs de catch, si jamais vous connaissez un youtubeur catcheur, bah n'hésitez pas à le... Bah, il y a Kevbreaker, il y a comment il s'appelle, il y a, je sais plus, un de ses pauvres copains qui a 30 000 abonnés, et c'est tout, hein, il n'y en a pas vraiment d'autres. Hein. Ouh, qui est en train de te mettre la pote, c'est ce que je vois. Non. Non, mais regarde si t'as l'idée quand même. Sinon, je veux arriver sur ce nom. Sur ce quoi? Ce nom, tu sais, t'as dit genre, regarde, il te défonce. Non. Non, et moi je suis vraiment en freestyle, hein. Je le précise parce que je pense que je n'ai pas participé à beaucoup de vidéos. Mais je vous préviens, moi je suis en freestyle. Hein. Niveau vocabulaire, niveau tout, je suis freestyle. Je pense qu'ils en sont aperçus à notre première vidéo, chers collègues. Ah, je suis mon collègue maintenant. Bon, collègue partenaire, c'est la même chose.
Eh, je crois que j'ai envie de les niquer les couilles. Bah, en fait. Regardez. Oh, ma montre. Ah, sa montre, elle s'est pas cassée. Tu l'as pas encore battue. Tant que sa montre n'est pas cassée, tu l'as pas battue. Je crois qu'il se relavera pas là. Je vais latter les couilles. Oh non, sa montre s'est transformée en l'eau. C'était sérieux quand il dit des trucs comme ça. Attention. Oh purée, l'eau il commence ses enchaînements à la brousse l'eau. Voilà, petite blague. Eh, à ton avis, il boit quoi l'eau? Bah, il boit de l'eau. Je suis sûr que Metamou va nous descendre pour avoir fait ses blagues. Il va nous descendre dans le montage. Pendant ce temps-là, je l'ai tué. Oui, tout pris pour la 150e fois. Eh, j'avoue, dans les commentaires, le mec qui me met le nombre de Kutsubi que j'ai essayé de mettre, que j'ai mis dans cette vidéo, chapeau mec. Bah, en tout cas, ça fait déjà 5 minutes 59 de vidéo, ce qui est pas mal. Dont la moitié de combat, parce qu'on va à l'écran depuis combien de temps je suis en mode arcade. 2 minutes et 40 secondes, là. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'en fait on a passé environ 2 minutes à ne rien glander. Ouais mais bon c'est peut-être des temps de chargement. Ouais c'est ça en fait. Voilà. Regarde toutes ces cinématiques et tout, comme les minutes, voilà. C'est vrai qu'aussi je défonce le mec hein. Mais j'adore la décoration, c'est le même dragon mais avec différentes couleurs. Ouais c'est très très artistique. Ouais c'est vrai, ça rappelle vraiment la culture orientale et tout. Ouais. Oui, aussi les clichés. Savais-tu qu'il y avait un dragon? Ah, mais c'est Yamata no Orochi en fait, avec la cloche au milieu. C'est pas Yamata no Orochi, le dragon légendaire à 8 têtes? What the fuck? Non, tu vas pas parler. Voilà. Tu baisses les yeux. Pom pom pom. En fait, là, je crois qu'il baisse pas que les yeux là. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Merde. Ce freestyle total. Ah, le détective de The Wolf Among Us. C'est détective Conan le barbant. Regarde ce qu'il te met en un coup de pied. Alors, regarde ce que je lui mets en un coup de pied. Tiens. C'est comme si bon, là, ça va commencer à se durcir un petit peu. Bah oui, quand même. Comment il est? C'est quoi cette skill? T'es dégueulasse. Tu es dégueulasse. Oh mon dieu, tu es dégueulasse. J'espère que j'ai pas bougé la caméra. Non, c'est bon, t'inquiète. Bon, arrête de farfouiller là, tu vas arrêter les gens. Ouais, non, c'est bon. C'est juste un tout petit peu de travers, mais c'est normal, hein, vu l'angle de vision. Ouais. Oui, c'est un petit peu chaudard dans ma chambre. Hein. Tu veux venir chez moi là? Ouais, dans sa chambre, si je filmais sa chambre, vous verrez à quel point c'est dur de filmer. Oh non, ça va encore. Enfin, non, ça va. C'est surtout chez JPMania93 qui est plus dur à filmer. Sérieusement, sa chambre, c'est abusé. Pour filmer, c'est pas du tout pratique. Oh, elle choque. J'ai pas vu le combat, en fait. Regarde. Donc, je regarde. Bim. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on tombe tous de la même manière alors qu'on est des persos différents? Peut-être qu'il n'y a pas mille façons de tomber. Si, il y a cette façon. Putain, faut qu'on pense à mettre une face cam, hein, je trouve, sérieusement. Ouais, dès que j'aurai une caméra digne de son. Hein. Parce que là, pour le moment, la caméra que j'ai, bon, même si elle filme, ça va, mais bon, voilà. J'aime bien la musique. J'ai failli faire un perfect. Si ça se trouve, ils vont rien entendre les abonnés du jeu, de la musique et tout. Comme d'hab, quoi. Tu veux que je monte le son? Non, non, c'est bon. Sinon, on va pas nous entendre. On a fait l'erreur dans l'épisode 1 entier de Walking Dead. On a trop monté le son et du coup, on nous entend pas trop. Ah, parce que tu fais avec nous de Walking Dead? Bah, en fait, on avec a avec Metabou, voilà. Pardon, s'il vous plaît. Ah, merde, on va commencer. Mais en fait, si tu veux, dans l'épisode 2, on va le faire avec Edgar, parce qu'il avait proposé. Mais si tu veux le faire avec nous, mais pour se retrouver à 4, c'est chaud. Donc, ouais, bah bientôt peut-être pas. Pas forcément le faire avec Louis ou Avec Louis, avec Metabou et JPMania 93. J'ai pas la vie des amis par le pseudo. Metabou, tu mets un bip. Tu m'entends? Tu mets un bip. Bip, motherfucker. Oh, Eddie Capoeira. Eddie Capoeira. Mon perso, il est venu me venger comme c'est mignon. Je sais pas s'il va me venger. Non. Bah, tu vois comment je le gangbang depuis que le combat a commencé là. Et là, combat, c'est il y a combien de temps? 10 secondes. Perfect. Bah, avant. J'aime bien, regarde comment le combat a duré combien de temps? Oh, je glisse. T'as cru qu'on va y tomber à genoux? En fait, non, il tombe pas à genoux, il glisse, il fait comme dans sa boue. Moi, j'avoue, il glisse. Il glisse sur ses genoux, quoi. Oh, il est tout. Oh, GG. Elle a GG, Eddie. Pas Eddie, Eddie du jeu. Putain, il est en train de me bomber, le bâtard.
Ah, je contrôle Eddy. Ah, je crois que tu sois en train de perdre. Hein. Par le pouvoir sacré. Ouais, c'est bien toi qui contrôle, je confirme. Aïe, ma tête. Bien, voilà, ça prendra. Oui, toujours. Si tu veux, tu peux le faire sur moi aussi. Mais pas trop. Va falloir bientôt couper. Bah après ce combat, je pense qu'on va passer à l'épisode 2 peut-être. L'épisode 2, ça marche. D'ailleurs, le jeu, il va pas durer très longtemps, ce sera une mini-série, on va dire. Ouais, une série genre de 3 épisodes à peu près. Peut-être même pas. Je crois 2, hein, ça suffira largement. Bon, alors attention, à la fin du replay, on coupe, hein. Passage à l'épisode 2. Un métabou. Ah, mais tabou, tu nous entends? Au pire, je te dirai coupe quand faudra couper, d'accord? Non, non, oui. Ah, il a failli te tuer quand même, hein. Bon, bah, les gens, on se retrouve à la prochaine vidéo qui devrait apparaître d'ici une semaine. Et, bah, salut!